Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 19 janvier 2024 dans le Magistère universel. C'est le secrétaire pour les relations avec les États, Son Excellence Monseigneur Gallagher, qui, au cours de l'audience que le Saint-Père a accordée à une délégation des représentants du Parti communiste du Vietnam, hier jeudi 18 janvier 2024, l'a qualifié de rencontre positive. Au cours de la rencontre, il a été annoncé que le cardinal Pietro Parolin visitera le Vietnam en 2024, tandis que le pape François s'y rendra probablement avant la fin de l'année, car c'est son désir, celui de rencontrer cette communauté catholique qui désire également le voir. Église en marche. Demain, samedi 20 janvier 2024 à 15h, aura lieu au petit séminaire Saint-Jean de Libreville une conférence biblique sur le thème « La Bible se contredit-elle ?». Cette conférence est organisée par la sous-commission apostolat biblique dont les conférenciers sont les abbés Pamphile Assoumouvomo et Séraphin Obamdon. Ouverte à tous, le but est de préparer les fidèles à la célébration du dimanche de la parole le dimanche 21 janvier 2024. Venez nombreux. Débuté hier jeudi 18 janvier 2024 par un culte œcuménique à la paroisse Saint-Pierre de Libreville avec pour prédicateur le président de l'Église évangélique du Gabon, révérend Sylvain Alogo-Ango, les célébrations liées à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens se poursuivent par les échanges de chairs entre paroisses catholiques et protestantes. Pour ce qui est de la paroisse Saint-Pierre, l'échange de chairs se fera entre les paroisses catholiques Notre-Dame de Lourdes, Saint-Pierre et la paroisse protestante de La Pairie. Demain samedi 20 janvier à 17h, culte œcuménique à la paroisse protestante de La Pairie et le mardi 23 janvier 2024 prochain, toujours à 17h, culte œcuménique à la paroisse Saint-Pierre. Toutes les communautés paroissiales sont invitées à prendre part à ces différentes célébrations importantes pour l'unité avec nos frères protestants qui contribue à la construction d'une société plus juste et plus fraternelle. Dans le diocèse de Port-Gentil, le foyer protestant de Tobia a abrité hier jeudi 18 janvier 2024 l'ouverture de la célébration du culte œcuménique qui rentre dans le cadre de la semaine des prières pour l'unité des chrétiens sous le thème « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Monseigneur Ezebu Chinekezi Obonamanaou, évêque du diocèse de Port-Gentil, a été le prédicateur de cette première journée avec le sous-thème « Aide-nous Seigneur à avoir une vie tournée vers toi ». La paroisse Sainte-Barbe a abrité ce vendredi 19 janvier 2024 le deuxième jour de culte œcuménique. Le révérend pasteur Sim Beyemsi a édifié les fidèles en se référant au sous-thème « Aide-moi Seigneur à t'aimer, à aimer mon prochain » et moi-même de tout mon être. Chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 19 janvier 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.